le Grésy Vaudan propose dans le développement du compostage partagé une solution clé en main. Elle est proposée à tous les habitants du territoire qui font partie des 27 communes en gestion directe. Il s'agit en fait du développement de sites de compostage directement chez vous, en pied d'immeuble. J'ai proposé en fait aux habitants de mon hameau de mettre en place un compost collectif. Ils ont répondu favorablement, ils étaient dans une bonne dynamique et demandeurs. Ce qui fait qu'on a pu le mettre avec l'aide de la communauté de communes qui nous ont fourni en fait tout le matériel nécessaire et nous ont permis aussi d'avoir une super formation et un suivi sur un an. Concernant l'accompagnement que propose le Grésy Vaudan, il s'agit de rencontrer les personnes qui se sont manifestées de manière à signer une convention. Et la convention, elle permettra de lancer le démarrage au niveau de l'installation. On va ensuite faire une réunion sur place avec l'ensemble des habitants ou la majeure partie, de manière à casser tous les a priori, avancer dans le projet, visualiser l'emplacement idéal, expliquer l'aide que l'on va apporter, qui est en l'occurrence la fourniture du matériel, la formation sur place de l'ensemble des personnes motivées et des 5 référents qu'on aura trouvés à terme, qui vont être le lien entre le Grésy Vaudan et puis le site de compostage. On va assurer l'approvisionnement en broyat sur la première année pour aider et pour se focaliser sur le fonctionnement lui-même, qui incombe au projet jusqu'à la récolte, pour accompagner les référents et l'ensemble des habitants. L'avantage de se lancer dans un compost collectif, c'est qu'il y a une entraide, en fait, finalement, c'est à créer une certaine dynamique. On se connaît et puis ça crée une certaine convivialité, même dans les corvées. Et puis, il y a un échange qui se fait beaucoup plus facilement. On réduit drastiquement la taille de nos poubelles ordinaires dans la cuisine et les odeurs. Et que maintenant qu'on a pris l'habitude, ça fait un an qu'on l'a mis en place, on aurait du mal à se dire de remettre nos épluchures dans une poubelle qui sera brûlée. On redécouvre que finalement le résultat du compost est juste très naturel. On retrouve une terre que l'on peut utiliser chez nous, soit pour un potager, rempoter des plantes ou mettre dans les haies. Voilà, donc en fait on s'émerveille à nouveau de quelque chose de tout simple en fait.